a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring. Je suis en compagnie de Théo de Fournit. Merci Théo, parce que ça doit pas être facile, j'imagine, pour toi et pour le groupe après le match. Comment tu l'as vécu aujourd'hui? On est un peu déçu du résultat, mais on n'est qu'à la moitié du chemin, donc on n'est pas mort. On a encore moyen de revenir, à nous bien nous préparer, bien récupérer pour faire un bon match la semaine prochaine et aller gagner là-bas. C'était une équipe de Serein qui était très très bonne quand même et qui avait un bon niveau. C'était pas facile pour vous, mais vous avez réussi à tenir tête malgré tout parce que vous avez mis des bonnes pressions pendant le match et malheureusement il manquait peut-être un goal. Oui, c'est ça. Je pense que la première mi-temps, elle était un petit peu en dessous de nos attentes. La deuxième mi-temps était beaucoup mieux, en tout cas. On s'est créé beaucoup d'occasions. Ils ont fait les sauvetages qu'il fallait. Ils ont eu un peu de réussite. Voilà. Mais bon, ça fait partie du foot. Et à nous d'inverser cette tendance la semaine prochaine. Et pour pas avoir des regrets. Vous avez fait une deuxième mi-temps. Vous avez commencé à mettre de la pression. Vous avez fait des lattes et des piquets. Malheureusement, la chance n'était pas au rendez-vous. Vous non plus? Non, elle n'était pas au rendez-vous, mais bon, ça fait partie du jeu de toute façon. Des fois, elle nous a réussi, des fois non. Voilà, aujourd'hui, c'était un jour sans. À nous de créer cet environnement positif pour la semaine prochaine pour avoir la réussite avec nous. Comment tu l'as vécu ce match justement? Parce qu'on voyait dans ton goal, là, à la fin de match, vous étiez vraiment. Vous vouliez vraiment mettre ce goal. T'étais un peu. Tout le monde était un peu excité, tout le monde voulait le final et il manquait juste le petit goal à la fin qui vous a manqué. Oui, il nous a manqué le petit but. On a eu, je pense, les situations. On a poussé et tout le monde avait envie de bien faire. C'est dommage parce que on aurait mérité, je pense, sur la deuxième mi-temps d'égaliser. Le démarrage du deuxième match était totalement différent. Voilà, mais bon, maintenant on est dos au mur, on peut plus se cacher et on doit aller à fond. Donc c'est peut-être un mal pour un bien, seul l'avenir nous le dira. Tu nous as sorti quand même quelques beaux arrêts magnifiques. T'as eu le prix aussi également du meilleur gardien, si je me trompe pas, si c'est ça. Comment tu vis cette saison en tant que gardien de but au RWD? Elle est bien sur un plan personnel, mais voilà, pour l'instant on ne fait pas le bilan. Le bilan on le fera la semaine prochaine après le deuxième match. On n'a que le match de la semaine prochaine qui compte, le reste on s'en fout. Aujourd'hui, notamment l'ambiance avec tous ces supporters, comment tu l'as vécu toi personnellement?
Ah, c'est kiffant, hein. C'est aussi pour ça qu'on fait tous du foot. C'est pour avoir des stades avec du monde, des supporters. Et quand on voit l'engouement directement en arrivant au stade et tout le match, dès l'échauffement jusqu'à la fin du match, ils ont été là. On a envie de les rendre fiers aussi. C'est pour ça qu'on est encore plus déçus. C'est parce que on n'a pas fait le résultat qui leur aurait fait plaisir. Mais bon, ils seront là la semaine prochaine, on le sait. Et à nous de les rendre fiers la semaine prochaine. Est-ce que cette préparation pour le match de ce week-end était plus difficile que pour les autres matchs d'avant de la saison qui étaient des équipes de votre niveau? Non, on a préparé le match comme on a préparé les autres matchs, mais on savait que c'était quand même un match un peu plus important que les autres. Mais je pense qu'on a bien préparé le match pendant la semaine, comme d'habitude. Comment tu vois l'avenir, toi, personnellement, pour le club? L'avenir pour le club, on va monter en D1. T'es convaincu? Oui. Écoute, je vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de réussite. Merci à Raisin pour cette interview. C'était un plaisir et bon courage pour la suite. Merci à vous. Merci. Au niveau des supporters, comment t'as vécu ça, toi? Super. Super les supporters, parce qu'il y a une telle ambiance avec beaucoup d'animation, donc nous soutenus jusqu'au bout. Ils ont fait toute la saison, donc un très 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 grand merci à eux. Dommage pour le résultat, mais j'espère que pour le match prochain, ils seront nombreux à nouveau, comme ils étaient à chaque fois en déplacement pendant le championnat. Et après, c'est à nous d'aller chercher cette qualification pour la D1. Pour toi, c'était ton dernier match ici au Temple Martens. Comment tu te sens émotionnellement? Très dur. Très dur parce que c'est un moment délicat, c'est un moment de dire au revoir. Mais voilà. C'est une page qui tourne et on verra bien pour le prochain match. Merci Igor pour l'interview. Merci de tout cœur pour cette interview que j'ai réalisée avec toi. Au plaisir. C'était un grand plaisir pour moi, c'était presque un rêve qui s'est réalisé aussi. Merci beaucoup Igor. Avec beaucoup de plaisir et bonne continuation. Merci beaucoup. Molenbeek! Molenbeek!